Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Call of Duty Vanguard. On va découvrir ensemble le mode campagne, c'est bien entendu édité par Activision, développé par Sledgehammer Games. La sortie française c'est le 5 novembre 2021, nous sommes sur un FPS. Je pense que vous connaissez tous la licence des Call of Duty, c'est déconseillé au moins de 18 ans parce qu'il y a de la violence, du langage grossier et surtout peut-être des petits démembrements qui peuvent choquer. Avant de découvrir ça, je vous laisse mettre un petit like à cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez voir un petit peu de mode multijoueur ou de zombies, je suis pas forcément fan, mais je peux essayer de découvrir ça avec vous, bah vous me le dites dans l'espace des commentaires. Après, je précise une chose, c'est que je suis pas forcément le plus grand joueur de Call of, mais ça c'est pas grave. Et n'hésitez pas aussi dans l'espace des commentaires à me dire quel est votre Call of Duty préféré. Personnellement, mon préféré all time, c'est Call of Duty Black Ops. C'était vraiment trop bien. Allez, sans plus tarder, on est parti. Le dernier arrêt dans le voyage de l'horreur. Le SOE avait placé 5 combattants sous mon commandement pour une raison bien simple. Récupérer des documents sur le trait confidentiel Projet Phoenix. Le dernier espoir du 3ème Reich. Une coalition de commandos alliés et envoyés pour attaquer l'ennemi là où ça fait mal. C'était censé être notre seule et unique mission. Regardez-moi ça. Quel monde, hein? Qui est prêt à le sauver? До свидания. Allons-y. On donne tout. Bien sûr qu'on va tout donner. En plus, ça commence sur un train. Bizarrement, vous voyez, l'effet un petit peu là, ça me fait penser à une mission, la toute dernière justement, de Hitman, le dernier, Hitman 3. Voilà, pour ceux qui auraient fait le jeu tout simplement, bah, ça me fait beaucoup penser à ça, même si bon, on n'est pas dans la même époque, le train n'est pas du tout pareil, mais la progression me fait penser à ça. Vous voyez, tout doux. Hein. Généralement les Call of, beaucoup de personnes, je sais pas vous êtes de laquelle team, hein, pas mal de personnes sont genre, dès qu'ils ont le jeu, boum, direct le multijoueur, voilà, ça veut affronter ses potes et tout, même des inconnus. Ça veut montrer que c'est le meilleur. Et j'avoue, c'est très bien. Moi... Oh. j'ai eu un bon réflexe, hein. Malheureusement, fallait laisser s'en occuper. Mais moi, je suis plutôt de l'école. Je fais d'abord le solo. Et ensuite, je m'amuse comme un petit fou sur le multi. Enfin, m'amuser, ça dépend. Parce que plus le temps passe, malheureusement, et plus au niveau des Call of Duty, bah, ça se joue très très sale. Hein. C'est... On va prendre notre temps, pop hop. Ouais, ça joue de plus en plus sale, malheureusement. Et voilà. Hop. Le petit coup de couteau, on récupère. Oh la MP40. Mon arme préférée du multi pour l'instant. C'est sur la bêta, c'était vraiment l'arme que je préférais. Bon, après, l'IA n'est pas forcément ultra intelligente, disons. Mais c'est normal. Après, peut-être. Attendez, regardez. Désolé, en fait, je me suis dit, il y a peut-être des documents cachés. Bon, hey, on va découvrir quand même. Bah oui. Si on fait une mission, faut la faire bien ou pas? En fait, c'est bizarre qu'il y ait ça. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on peut se mettre sur le côté ou autre. Bon, bah, il n'y a pas de documents. Au pire, c'est pas grave. Les documents, je les chercherai une prochaine fois. Où c'est ce qu'on va faire? On va s'occuper de lui. Mais non! Pourquoi vous m'arrêtez dans ma façon de jouer? J'avais tout prévu. Je sais pas si c'est safe de passer par là. Attention, hein! Je suis là. Laissez-moi faire. Oh, c'est bizarre la caméra. On dirait qu'on est passé d'un FOV. De 80. Un FOV genre de. Oh, secours! Appuyez. Et voilà. Pas de 80, genre à 100 d'un coup. Et qu'est-ce qu'on a comme arme? Oh là là. Ah mais non. Peut-être qu'il faut être silencieux, tu vois, en mode... On tire nos balles, d'accord? Ouais, bah voilà. Si elle est plus secrète. Ah. Et pour ceux qui se demandent, personnellement, je joue en difficulté normale. Les Call of, j'aime bien jouer en normal. Après, si j'affectionne vraiment
le solo bah part sur du difficile ou très difficile, ça dépend. Et si vous voulez voir la suite de l'aventure, ce sera la semaine prochaine en live sur Twitch. Hein, c'est la petite promotion. Hop là. Et je vous le dis au cas où. Toi, te calme. D'accord ? Je vais prendre cette arme là. Ah, elle a l'air trop bien. On va passer par ici plutôt. La musique est cool derrière aussi. Toujours pas. Vous voyez là ? Boum ! Le FOV, on dirait qu'il s'est qu'il a grossi d'un coup. Oh. Vous. Déjà, on pète les pneus. C'est bon. Et ouais. Oh. Il s'est pris. Et toi là. Zut. Cachez-vous. Par contre, c'est pas faux. C'est très difficile pour bien voir. Oh, je me cache. Allez, salut. Ouais, c'est pas évident en termes de lisibilité. Bon, après, je pense que si tu te mets à leur place et que t'es dans... Voilà, tu fais quelque chose sous la pluie et tout. Au moins, c'est bien, on aura fait pas mal d'armes différentes. Maintenant que c'est la guerre et pas autre chose, je peux me permettre de prendre tout et n'importe quoi. Mais personnellement, moi, je suis plus... De la team. Oui. Plus de la team jeu, on va dire, récent. C'est-à-dire que voilà, guerre moderne qu'à l'ancienne. Mais après, en fait, au niveau de l'histoire, ça me dérange pas de faire un jeu à l'ancienne. Genre, voilà, pour le solo, j'ai aucun problème. Alors toi, voilà. Mais quand c'est le multijoueur, je préfère largement... Largement la guerre moderne. Voilà, excusez-moi. Voilà. On va se calmer deux petites secondes. On s'allonge. Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver là ? Il m'a sauté dessus lui. Je sais pas si c'est RP ce que je viens de faire. Je sais pas si c'est trop RP, mais on l'a fait. Oh là là. C'est l'eau, ça allait pas mal. Je vais tester sur le multi. Et j'avoue, j'ai un peu de mal à savoir qui avec qui. Genre... Je tire, mais sans forcément savoir. Voilà, allez-vous-en. Ah bah oh. Aïe. Oussou. Voilà. Et c'est un labyrinthe, le truc. C'est le parc Astérix mélangé à Euro Disney. Enfin, Disneyland, plutôt. Désolé Richard. C'est bon, y'a plus personne là-haut. Mais on pourra pas reprocher au jeu. Oh. On pourra pas lui reprocher que le début soit genre lent, cinématique, beaucoup d'histoires dans. Ça commence direct et c'est parfait pour une découverte. Oh, je me suis je vous jure que quand on est arrivé, je me suis baissé comme mon personnage. D'abord, tirer sur les pneus. Voilà. Plutôt que d'essayer de viser les gens. Oh, attention! Je sais même pas si on a de la. Je veux dire, c'est même pas si on a de la pizza. Des grenades, je veux dire. On va tester. Grenade! Bon. J'ai l'impression qu'elle a disparu dans le néant. Excellent. Alors, est-ce que cette arme. On peut prendre celle-ci? Voilà. Alors peut-être un meilleur shoot, qui sait. Par contre, les gâchettes adaptatives, je les ressens pas mal. Hein. Et ça, c'est à enlever, bien entendu, sur le multijoueur. Parce que nous sommes sur PlayStation 5, c'est que je l'ai pas dit au début. Que ça sort sur quasiment toutes les plateformes. PlayStation, Xbox, PC, à part Nintendo Switch. C'est quoi ça? Oh, au pire, j'ai celle... Attends. Non, j'ai celle-là. Oh. La petite balle, voilà. Allez, salut, hein. À la prochaine. Lui, il l'aura pas vu passer celle-là. Oh, oh, au secours. Alors, toi, reviens. J'ai les mêmes à la maison. Remontre-toi.
Je sais que... Il a voulu faire un... Il a voulu faire un 3-6. Rampe, rampe. Je tire une balle pour être sûr. Bon, on va garder cette arme, voilà. Il me donne des munitions, c'est pas pour rien. Bon, je fais attention qu'il y a peut-être le véhicule qui est toujours présent. Après, je vous le dis, regardez la vidéo en 4K si possible. Si vous avez les écrans et tout, la connexion pour. Parce que bah, la vidéo sera en 4K. Allez. Attention ! La dynamite ! Alors toi... Oh, voilà, le viseur vu que ça bouge pas mal, en même temps c'est mieux. Oh du genre... Mais bon. Ah voilà. À quoi bon avoir galéré pour le viser? Si c'est pour qu'il le tue avec son char. Bon, après cela, on va vous... Après on a ceux qui font la facilité. Et les autres. Le conducteur. Hop là. Une balle à mort. Ça y est. Nous ici, on n'est pas là pour cueillir des saucisses. J'arrive! Et voilà le travail. Bon sang. Maintenant qu'on s'est bien fait mitrailler, l'officier en chef aurait l'amabilité de nous dire ce qu'on fout là? La base navale est notre dernière étape. Une fois à l'intérieur, on sécurise l'objectif. Il veut qu'on le sécurise. En revanche, il ne peut pas nous dire ce que c'est. Kingsley maintient le mystère depuis le début. J'espère que c'est pas une énième chasse aux Unpacks, si? C'est vrai ça. C'est quoi le but de la mission? On sait pas vraiment. T'es en train de me dire que le putain de SOE, c'est rien? Vous savez quoi? Je vais aller mettre les freins. Tout ce qu'on a, c'est un nom. Phoenix. Donc en fait, on n'a aucune idée de contre quoi on se bat. Notre mission, c'est justement de trouver. Selon le SOE, les nazis sortent quelque chose d'important d'Allemagne. Peut-être des documents. Le Saint des Saints. Et nous, on est là pour s'en emparer. C'est si important, pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée? Ils l'ont fait. On est 6. Hé hey mec, on n'est pas de la même armée. Putain, on n'est même pas du même continent. Silence! Pourquoi on a été choisi pour cette foutue mission suicide? Les gradés nous ont choisi tous les 6 pour une attaque rapide et un départ discret. Cette mission est pas pour l'armée. Une armée, c'est trop bruyant, trop lent. Richard a raison. Ils vont pas nous voir venir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. Tout le monde a bien compris le plan. Je tire sur les nazis. Ils meurent. Voilà. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est plutôt toute une bonne chose à faire. Voilà. Tu vois les ennemis, qu'est-ce que tu fais? Oh. Comme ça. Ça me paraît bien. Voilà. Avoir une arme bien puissante. Mais. Moi, si possible, je veux bien les fumer en mode. Que dans les jours là. C'est... Ça me dérange pas, t'es quand dans un jeu on nous demande de jouer furtif, mais après, est-ce que le chien, il faut forcément le buter? Désolé, Toutou, voilà, j'attendais de voir si t'attaques ou pas. Désolé. Pas contre toi. Disons que... Oh là, en plus, ça se dirige trop bien. T'as pas un gros recul. Je comprends les gens pourquoi ils prennent la batteuse sur le multi, hein. Oh, attention! Y'a le train qui arrive! Non, zut! Par rapport. Je suis fier au son, tu vois. Et au niveau du son. Attention! J'avais l'impression que c'était arrivé là où j'étais. Tout va bien. Voilà. Les toutous! Pourquoi c'est moi qui dois m'en occuper en plus? Ah, lui. Il est pour moi. Allez, salut. Oh, t'es passé ou...
attention, la grenade. Oh, ça a touché. Ça a pas tué. Et la petite grosse, celle-là va faire du bien. Celle-là va faire boum. Voilà. C'est ça que vous vouliez voir. Du gameplay de qualité. Bon. Toi, attends deux secondes. Attends. Je t'ai dit quoi? Bah ouais, en plus c'est le toutou. C'est le toutou qui m'a eu. Non. L'attaque du toutou destructeur. C'est comme ça qu'on va appeler la vidéo. Il est venu, il m'a fumé, et on n'en parle plus. Voilà. Comme quoi, il a vengé tous les siens. Oh. Qu'est-ce que c'est dégueulasse que je viens de faire. Attention la greu, celle aussi elle va passer normalement. Oh là là. Il y avait au moins 3 ou 4 dedans. J'attends un petit peu qu'ils vont arriver. Oh là. Oh. C'était joli ça. En fait, vous savez, je suis mort. Ah, oh, je suis désolé par contre là. Ce sera vous ou moi. Mais oui. Je suis mort, c'était pas pour rien. C'était pour vous montrer que c'est possible de tuer tout le monde avec une greu. Oh, ça fait une collate. Parfait. Franchement, tellement jouissif de jouer avec une arme comme ça. C'est trop bien. J'évite. Après, il est passé devant sans problème. Si vous voyez pas les ennemis, vous me le dites. Hein. Alors, toi, tu recharges déjà. Voilà, je vais arrêter de courir et de sauter partout. Non, mais recharge. Dès que tu tapes un sprint, voilà, ça annule le rechargement. Cette arme-là, elle est très très bien, mais voilà. Quand il faut recharger, ça peut prendre du temps. Jackson, la porte. Allez, ouvrez-moi ça. Je sais même pas comment je m'appelle, moi. On a loupé les festivités. Visiblement, ils étaient pressés de partir. Phoenix, on doit être tout prêt. Mais plus pour longtemps. Les Bosch chargent leurs secrets dans un sous-marin. Vous les voyez traîner ce coffre? Je vous parie que c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'heure de sortir l'artillerie lourde. Ah, là, ça me plaît. Attendez, vaut mieux rester discret. Arthur? Quoi que contiennent ces documents, c'est le secret le mieux gardé du Troisième Reich. Ils l'ont gardé ici, dans le trou du cul du monde. Et alors? Ça n'a aucun sens. C'est comme laisser les joyaux de la couronne devant la porte. Il y a presque personne pour les surveiller. Alors que toute l'armée allemande devrait monter la garde. Je crois qu'on n'est pas les seuls à ignorer ce qu'est Phoenix. Tu insinues que les nazis cachent des choses aux nazis? Tout ce que je dis, c'est que les plus dangereux sont les gardiens de ces secrets. Ouais, c'est pour ça qu'on est venu armé, pour les buter. C'est bon, on a fini. Ces documents vont pas tarder à sortir d'Allemagne. Vous trois, prenez la passerelle et oubliez la discrétion. Tâchez de gagner du temps. Webb et Novak, avec moi, on prend le bateau. Ok. Moi j'avoue, j'étais parti pour tout... Pour tuer, voilà. Je lui dis, quand je joue un FPS, je veux tirer et réfléchir après. Qu'importe les conséquences, c'est vrai que ça mène souvent à des choses pas forcément belles. C'est bon, on est parti. De toute façon, il y a de l'alarme, donc à un moment... On couvre depuis la passerelle. D'accord. Si vous pouviez trouver comment sortir de ce trou, ça serait bien. Aucun souci. C'est bon, on peut y aller. À la une, à la deux. Pas de mort. Voilà. La musique très bien pour l'instant. Très très bien. Je t'ai vu toi. Oh, j'ai plus de munitions. Enfin, j'ai plus de grenades et tout. Ça c'est dommage. Fait que je m'étais un peu régalé juste avant. Oh. Petit problème de son, ou j'ai peut-être été flashé. Peut-être. Par contre, j'ai un peu du mal à voir les ennemis au loin. Donc, sur un solo, c'est pas très dérangeant, tu vois. Mais sur le multi, de pas voir les ennemis, ça va être compliqué. Après, j'ai activé tout, tu vois. Genre, j'ai enlevé tout ce qui était flou, mais j'ai laissé tout le reste pour que ce soit joli. Après, généralement, les multijoueurs, si vous voulez avoir une bonne performance, bah, il faut enlever tout ce qui est beau. C'est comme ça que font généralement les joueurs qui jouent soit Counter-Strike, Valorant ou autre. Ils essaient de faire un mix entre joli et fluide. Parce que bah, ça se joue à même pas une seconde, généralement. Oh.
Genre ça là, il faut sans doute les enlever, que tu imagines t'as un ennemi là, tu vois plus rien. Allez. Je vous ai sans doute rendu aveugle. Je sais pas si c'est par là. Il y a une petite échelle. On la prend. Ils sont exposés. Alors toi, je sais pas ce que t'as voulu faire, mais tu l'as fait. Par contre, c'est vrai que je m'expose un peu beaucoup. Secours. Ah, j'ai envie de me prendre la MP... Ah, où la MP40, là. On rappellera le multijoueur. Ah ouais. Elle a le débit, elle a tout. Oh, ça va, les gars? Ils sont posés tranquilles, hein. Ah. Oh, par contre, je suis désolé, mais... Ça s'arrêtera là. Des munitions, s'il vous plaît. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Et de 1. Et de 2. Toi, c'est cadeau. Ouais, on peut récupérer les munitions, ça c'est bien. Ils en ont beaucoup. C'est vrai que quand tu récupères une arme sur un corps, t'as très très peu d'armes. Donc c'est bien de pouvoir récupérer ça sur les alliés. Enfin, sur les ennemis plutôt. Et même sur les alliés, hein, plus tard. Et surtout bien de pouvoir les récupérer sans forcément rester appuyé sur carré. Ça se passe automatiquement. J'y vais. Trouvons la caisse et sortons d'ici. Richard, couvre-nous. Novak, tu pars devant. D'accord. Je pensais qu'il y avait une cinématique, je vais pas parler. Vous êtes blessé, mettez-vous à couvert. C'est bon, je suis à couvert. J'aurais pu lancer une greu. Oh lui, je vais le fumer. Fumer. Je vais plus tirer dans le vide. Hein. Bon, pourquoi reculer alors qu'on peut attaquer? Reculer, non mais ils m'ont... D'accord, je recule, désolé. Je ne savais pas. Tu n'as rien? Ça va. La salle de contrôle. Ouvrons cette trappe. Bah, vas-y. Ne t'éloigne pas. Tu peux te pousser, par contre. Je lance une grenade. Ah bah, si tu veux l'ouvrir toi-même. Pas de problème. Une chose de moins à faire. Oh, ça c'est bien joué, ça. Oh, comme par hasard, vous savez, le fameux manque de munitions avec ce type d'armes. Je peux passer? Merci. On a un petit peu... C'est quoi ça? C'est des... Ah ouais, genre ils font sécher leur viande ici. Pas mal. À toi l'honneur, Novak. Oh bah vas-y, hein. Si c'est à moi l'honneur, moi j'y vais. Arthur, on n'entend plus les sirènes. C'est mauvais signe. On doit y aller, tout de suite. Novak, aide-moi. Une grenade à mon chef ! Novak ! Tu te prends pour un Britannique? Je suis de Cambridge, et fier de l'être. Tu devrais savoir qu'il ne vaut mieux pas gâcher ma soirée. La sonate numéro 4 de Beethoven est magistrale. Mais certains passages requièrent toute mon attention. Contrairement à toi. Le nègre aussi donne des ordres dans ta langue. Et tu lui obéis.
Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Es spricht auch Deutsch! Je t'en prie. Continue. Cet accent de Rhinani, tu dois être de la Neustadt. Pendant l'occupation, tu as vu des soldats français qui me ressemblaient envahir vos rues, épouser vos femmes. Voilà ce que j'entends quand tu parles allemand. Charmant. On vous a balayé une fois. Et t'entends ces bombes, ça veut dire qu'on recommence. Balayé, dis-tu. Balayé. Un choix de mots intéressant. Je te le répète. Finissons-en. Je sais. C'est ce que tu veux. Tu veux te sacrifier pour être un leader. Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Bien au contraire. On vous savez que vous savez amplement mérité. Débarrassez-vous de ça. Mettez le reste dans le camion. Quand le commandement est à chier, les gens se font péter. Et tu peux me dire en quoi c'est la faute d'Arthur? C'est à cause de lui et de Wade. Cet enfoiré a abandonné son équipe. T'as pas tort pour Wade. Si jamais je le revois, je jure que je lui fracasse le crâne. C'est ça. Accusons-nous nous-mêmes plutôt que les Allemands. Ces hommes incapables de ravaler leur fierté. Faut dire que notre fierté en a pris un coup aujourd'hui. Est-ce que c'est censé m'impressionner? Du calme. Quelle importance? Freisinger va tous nous tuer. Freisinger? Le nazi. Celui qui a tué Novak. C'est pas un vieil ami à toi? Disons qu'on se connaît. Ah oui, et on comment... On oublie Freisinger. Arthur va nous sortir de là. Quoi? Parce que c'est ton pote? Il l'a pas toujours été. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois, la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort, c'est de terminer la mission. Mais c'est pas facile à encaisser, quand son sang est encore sur tes bottes. Pour diriger, il faut savoir ce que c'est que de perdre des hommes. De les voir mourir alors qu'ils nous faisaient confiance. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, j'ai compris, le jour du débarquement. Oh les gars, écoutez-moi! On a jusqu'à l'aube pour réussir la mission! Visiblement, les Boches sont au courant de notre arrivée. On n'aura droit qu'à une tentative pour démolir l'artillerie côtière. Si on échoue, l'invasion de demain n'aura pas lieu! Vous avez été formés pour ce moment! Alors vous ridiculisez pas devant la Navy! Prenez ces casemates, explosez l'artillerie, et lancez vos fusées pour prévenir la flotte. Bon, nous y voilà. Vous avez l'habitude. Debout ! Mousquetons ! Tenez-vous prêts ! On se voit en bas ! Thank you.
ce début est quand même assez incroyable. Mais vous savez quoi? Eh bien, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pile poil le bon moment pour voir un petit peu l'histoire d'Arthur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir la suite du jeu avec moi, en live tranquillou, ce sera pas tout de suite, ce sera la semaine prochaine. On va prendre le temps de finir Forza Horizon 5, et on passera par celui-ci. En espérant une nouvelle fois que vous ayez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit like, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!